Si un formulaire n'a pas été validé, il vous est toujours possible de le modifier, même après que le signataire clinique ait procédé à sa signature et par la fin même transmis à l'Institut de la statistique du Québec et au directeur de l'État civil. Pour ce faire, vous n'avez qu'à modifier l'information inscrite dans le champ que vous voulez corriger. Par la suite, vous devez cliquer sur Enregistrer. Par exemple, ici, j'ai effectué la modification de l'âge du conjoint de la personne décédée. Dès que vous aurez cliqué sur le bouton Enregistrer, les partenaires mentionnés plus tôt seront informés des modifications. Pour connaître la procédure permettant de faire des modifications dans un formulaire une fois qu'il a été validé, vous pouvez consulter la capsule Valider un formulaire réviseur.